En quête d'un ou plusieurs joueurs offensifs en vue du mercato estival à venir, le Paris Saint-Germain garde un œil sur la situation d'un attaquant de Manchester City. Grâce à un triplé samedi passé contre Sheffield United, Riyad Mahrez a permis aux Sky Blues de se qualifier pour la finale de coupe d'Angleterre. Mais alors que son entraîneur Pep Guardiola lui reproche son manque d'implication défensif, l'ailier de 32 ans pourrait bien changer d'air durant l'été courtisan de longue date de l'international algérien le Paris Saint-Germain en quête d'un ailier performant serait toujours très intéressé par son profil surtout avec le possible départ de Léo Messi en fin de contrat en juin prochain d'après les informations relayées par le quotidien du sport Nasser Al-Relaifi aurait pris des premiers renseignements sur la situation de Riyad Mahrez qui pourrait aussi remplacer éventuellement Ashraf Hakimi d'un point de stratégique on va dire Riyad Mahrez au Paris Saint-Germain ça pourrait être disponible pour 25 millions d'euros. Si Ashraf Hakimi permettrait au Qatar de disposer d'une star du monde arabe dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, le, le probable départ du latéral droit marocain pourrait laisser un vide à combler. Une arrivée de Riyad Mahrez permettrait donc de remplir cette case désormais importante dans la stratégie commerciale et marketing des décideurs qataris du club de la capitale française. Considéré comme l'un des joueurs les plus performants de Premier League ces dernières saisons, l'ancien milieu offensif de Leicester City fait toujours rêver le Paris Saint-Germain qui était déjà venu aux nouvelles lors du dernier mercato estival. Nasser Al-Relaifi, le président des Rouges et Bleus, aimerait l'intégrer à son armada offensif la saison prochaine. Cependant, même s'il n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Pep Guardiola, le natif de Sarcelles encore sous contrat jusqu'en juin 2025 ne sera pas bradé. En effet, le quotidien du sport assure que pour recruter Riyad Mahrez, le PSG devra mettre sur la table des négociations, un chèque de 25 millions d'euros, un montant largement abordable pour les finances parisiennes, mais surtout, l'information principale de cette vidéo, c'est que le Paris Saint-Germain voudrait se débarrasser d'Ashraf Hakimi, qui a été recruté 60 millions d'euros à l'été 2021, Hakimi qui est un grand ami de Kylian Mbappé, Mbappé qui est à un an de la fin de son contrat, si Hakimi s'en va, est-ce que Mbappé voudra partir aussi Voilà, euh, ça fait deux ans que Hakimi est au Paris Saint-Germain et que Hakimi n'a pas montré euh, son meilleur niveau en deux ans, c'est même catastrophique cette saison et surtout depuis euh, cette deuxième partie de saison. Hakimi pourrait être bankable et rapporter de l'argent au Paris Saint-Germain qui pourrait le réinvestir, mais très clairement si Hakimi s'en va avec tous les problèmes qu'il a eu, hein, les histoires de mœurs, le divorce avec sa femme et les mauvaises prestations en Ligue 1, en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, pourrait amener euh, le Paris Saint-Germain à s'en séparer et Paris pourrait utiliser cet argent pour acheter Riyad Mahrez et pour le remplacer sur le côté droit. Ryan Marais au Paris Saint-Germain, Hakimi sur le départ. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.